Coucou tout le monde, nous revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un petit peu particulière parce que c'est pas du tout le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire et que je suis même pas sûre que je referai un jour. C'est une vidéo un petit peu partenariat sans que ça soit vraiment partenariat. Là je suis là pour vous parler d'une application mais aussi d'un produit pour le coup, parce que je voulais vous en parler depuis un moment. J'ai essayé de le tester un petit peu tous les jours, mais c'est pas toujours facile. Mais vous saurez pourquoi après. Donc, on en vient au propre du sujet dans un instant. A tout de suite. Alors, le site, et qui a aussi l'application, donc c'est Sampleo. Donc c'est un site de test produit en fait. C'est pas comme Optoly ou choses comme ça. Ça n'a rien à voir, c'est plus petit, c'est un peu... c'est différent. Parce que vous avez des missions à faire, vous n'avez pas que à en parler sur vos réseaux sociaux. Voilà, c'est plein de petites choses à faire quand vous êtes ambassadrice d'une marque, d'un produit en tout cas. Alors, vous inscrivez sur le site Sampleo. Je vous mettrai tout en barre d'infos parce que, à moins que j'arrive à inclure un visuel de l'application, si j'y arrive, je vous mettrai. Et quoi qu'il arrive, tout sera en barre d'infos. Alors, le principe, c'est que vous inscrivez sur l'application ou via le site, hein, ça revient strictement au même, sachant qu'il est quand même conseillé de prendre l'application sur le téléphone, c'est quand même beaucoup plus simple pour certaines missions, donc c'est vrai que c'est bien agréable. Après, vous allez avoir la possibilité de remplir un questionnaire sur plein de thèmes, donc la beauté, l'alimentation, l'hygiène, etc., etc., etc. Et suite à ça, en fait, ils vont pouvoir, comment dire, cerner un petit peu votre profil et vous faire des propositions, excusez-moi, vous proposer des offres de produits à tester en adéquation avec votre profil. Donc par exemple, vous êtes très attiré par la beauté, vous aurez peut-être plus d'offres à tester de soins, de produits de soins, de make-up, etc., etc. Après, vous n'êtes pas sélectionné comme ça, c'est gratuit, non. Vous devez postuler, donc vous allez répondre à quelques petites questions, il me semble-t-il, je ne me souviens plus trop. Et suite à ça, vous êtes sélectionné ou pas. Donc, si vous êtes sélectionné, vous êtes informé par mail. Sur l'application, c'est noté comme quoi vous êtes devenu ambassadeur du produit, de la marque. Et à la maison, si c'est un produit cosmétique comme ça, par exemple, comme le Sanoflore, mais dont je vais vous parler par la suite, vous allez le recevoir à la maison. Si c'est un produit alimentaire qui se conserve au frais, genre des yaourts, des jus d'orange frais, etc., etc., il vous sera envoyé des bons d'achat spéciaux d'une grosse valeur. Par exemple, j'avais testé des yaourts au lait végétaux, j'avais reçu des bons d'achat de 2 euros. C'était pratiquement le prix des yaourts, hein, sachant que moi, je les ai payés 2 euros, 10, 2,50 euros selon le parfum. Et voilà, donc là, débute votre aventure d'ambassadrice de la marque. C'est quand vous recevez le produit, vous avez le produit en main et vous avez différents types de missions. Ceux qui sont a priori, je dirais, récurrentes, c'est en parler sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Insta, Twitter. Twitter, sincèrement, ça bug à chaque fois. Donc moi, j'essaye à chaque fois, mais ça ne marche jamais. Après, il faut bien respecter les conditions parce que sinon, ça vous refuse la mission. Il faut mettre le hashtag et quelque chose après, donc ça dépend du produit, donc je ne peux pas vous donner d'exemple. Si, je vais vous donner un exemple concret, hein. Par exemple, là, je suis en train de tester l'IA Sampleo, la gamme Aqua Aeria de Sanoflore, donc celle-ci. C'est une gamme anti-pollution, mais ça, je vous en parlerai après, pour le coup, parce que je voulais en parler en même temps, vu que c'est grâce à ce site que j'ai en main cette brume. Et donc, ça sera hashtag Aeria. C'était le cas pour Sanoflore. Vous n'êtes pas obligé de mettre un commentaire, mais vous mettez une photo du produit. Après, vous pouvez donner un peu votre impression. C'est quand même mieux. Moi, j'avais noté 2-3 choses sur le produit, me semble-t-il. Je ne me souviens plus exactement quoi. Et après, donc, vous suivez chaque mission. Et puis, bon, bah voilà. Une fois que vous avez rempli toutes vos missions, vous allez pouvoir postuler à d'autres missions. Et ainsi de suite, tant que c'est pas fait, vous pouvez donner même des bons d'achat. D'ailleurs, sur je sais plus jusqu'à quand, j'ai un bon d'achat valable sur Sanoflore. C'est 3 euros offerts dès 25 euros d'achat sur le site
de Sanoflore, je me répète, désolée, c'est Aeria. Voilà, donc je vous noterai en barre d'infos si je le retrouve. Et comme ça, je pourrais vous en faire profiter. Donc c'est assez sympa de pouvoir... et je vous donnerai surtout la date de fin de... oui, de fin pour le code. Je crois qu'il est jusqu'au mois d'octobre, mais je ne suis pas complètement sûre. Donc je préfère pas vous dire de date là. Tout sera noté en barre d'infos. Voilà. Alors, on va revenir au produit, parce que bon, jusque-là, c'était sympa. Ça permet de voir, de pouvoir tester des produits qui sont totalement gratuits. Je n'ai rien payé, ni frais de port, ni rien du tout. Il m'a été envoyé à la maison. Et c'est bien sympa, parce que la dernière fois, c'était des yaourts. C'était cool, mais bon, j'avais dû aller en magasin, les acheter, etc. Je pense que moi, je vais m'axer que les produits beauté, parce que ou des produits que je suis presque sûre de les recevoir dans ma boîte aux lettres et pas devoir aller les acheter pour les tester. Là, j'ai vu Sanoflore, j'ai fait waouh, Sanoflore. J'avais pas vu quelle gamme c'était. Moi, j'ai juste vu la marque. J'avais jamais testé cette marque et j'étais ravie quand j'ai été sélectionnée. Je me suis dit waouh, c'est cool, une bonne marque avec des bons produits, de bonnes compos normalement. Je me suis dit c'est plutôt cool. Donc, c'est la gamme Aqua Aeria, ce que j'avais déjà dit. Brume botanique oxygénérante anti-pollution à l'huile essentielle et l'hydrolat de la sarriette citronnée bio du Vercors. C'est pour la peau, les cheveux. Donc, elle peut servir pas uniquement en brume pour vous rafraîchir et vous protéger la peau, elle peut aussi servir de fixatif. Donc là, je m'en suis servi pour fixer mon make-up. Je ne sais pas ce que ça va tenir, le temps que ça va tenir. Sachant que je tourne un petit peu tard, j'ai fait une vidéo avant avec ce make-up et du coup, je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur le long terme de la journée parce que je n'ai pas encore vraiment testé ce côté-là. Vous pouvez vous en servir, j'imagine, aussi comme fixatif sur les pinceaux quand vous avez des fards qui sont un peu trop difficiles à poser, j'imagine. Mais après, c'est pas la véritable fonction, le fixatif pour les make-up. Par contre, sur le visage, oui. En brume comme ça, oui, tout à fait. Vous pouvez les mettre aussi sur les cheveux, parce que c'est censé avoir un effet oxygénant, enlever tout ce qui est pollution. Je sais pas l'effet, parce que bon, ben, voilà, je vois pas ma peau au microscope, j'ai pas pour voir l'effet de la pollution avant-après. Mais je me dis que ça peut pas faire de mal, vu que c'est quand même un produit avec des produits naturels. Sanoflore, c'est connu et reconnu, c'est bio. Je me dis que pourquoi pas. Et puis même en fixatif de maquillage, bah, vous en avez avec des produits chimiques qui sont pas forcément clean. Ça peut faire des irritations, etc., etc. Que ça, en tout cas, moi, j'ai fait aucune réaction. Pourtant, j'ai une peau sensible, vous le savez. Si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, je le dis assez souvent. Je fais des réactions et là, mais rien. Strictement rien. Donc, j'ai trouvé ça plutôt super cool. Après, que dire? L'odeur. Alors, l'odeur, elle est très forte. Si vous n'aimez pas les odeurs de plantes, et forte, je pense que ça ne plaira pas. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'y faire, donc c'est vrai que je n'ai pas beaucoup vidée, hein, comme vous pouvez constater depuis que je l'ai reçue mi-août, je crois. J'ai beaucoup de mal. Elles sont un peu le médicament pour moi. C'est une odeur un peu de médicament, un peu... pas chimique, hein, enfin, pas du tout chimique, pas l'alcool, ça pique pas. Et en fait, ils disent 6 pchits sur le visage, ça suffit. Yeux et bouche fermée, bien entendu, parce que c'est pas de l'eau, c'est pas consommable. Et voilà, donc cette odeur qui est d'huile essentielle très très forte, très très forte. Si vous n'aimez pas la serviette, en tout cas, je pense que vous n'aurez pas ce produit non plus, hein, clairement. Mais ça reste. Je me force à l'utiliser, à m'y faire, parce que c'est un bon produit, que je me dis que c'est sûrement bon pour ma peau, c'est bio. Et voilà, donc sur ce, je pense avoir tout dit. Si vous testez l'application Sanpeo, bah dites-le moi. J'ai pas de bon de parrainage pour vous donner, pour vous inscrire sur l'application. C'est vous y aller, hop, en ami. En tout cas, moi, je suis ravie de vous en parler parce que je trouve que c'est un super, super bon plan. Ça vous permet, de, si vous êtes sélectionné, de découvrir des produits de folie avec. Donc, il y a eu du Sanoflore, j'ai vu de la Roche-Posay, j'ai vu passer. Ça, c'est pour les cosmétiques de tête, hein. Il y a eu des compléments alimentaires pour aider au sommeil, pour la relaxation. Il y a eu à la période d'été où il y avait encore les moustiques, des bracelets anti-moustiques.
Donc des crèmes solaires au moment de la roche posée, au moment des vacances. Donc c'est assez varié. Après, il y a eu au niveau alimentaire, j'ai vu du thon saupiqué, j'ai vu des olives, je ne sais plus quelle marque, mais c'était de la marque. J'ai testé du coup les yaourts de la marque La Bicyclette. Donc c'est des yaourts au lait végétaux qui sont très très bons. Mais voilà, donc ça c'est deux souvenirs, c'est ce que j'ai vu. Donc il y avait de l'huile d'olive, j'ai vu passer de l'huile d'olive, je crois qu'en ce moment il y a de l'huile d'olive à tester. Et voilà, donc je vous invite grandement à aller au moins y jeter un œil, même si vous ne vous inscrivez pas. Après, j'avoue que c'est un peu des contraintes de faire les missions, mais vous avez quand même à la base un produit qui a été offert. Oui, normalement je ne suis pas censée forcément faire une vidéo, mais moi ça me fait plaisir d'en parler et de partager ce très très bon plan avec vous, mes abonnés. Et je me dis pourquoi pas partager qu'on peut partager des bons plans comme ça. Voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà abonné, et éventuellement d'aller voir mon compte Instagram sur le style de Signette. Bisous. Bye bye.